c'est quelque chose qui m'avait inspiré. Ça, c'est une pièce de ma collection et c'est un peu une pièce sur laquelle on a démarré. C'est un petit peu inspiré des personnes qui sont sur les échafaudages, dans les villes, etc. Et donc, c'est devenu un petit look urbain. En général, on a des chaussures plates. Puis aussi, pas mal de pièces de look un peu androgyne, en fait. J'ai un peu pensé à comment j'aime bien m'habiller aussi, un peu, évidemment. Alors, la veste, c'est la seule vintage de toute l'histoire. D'accord. C'est du Kelly Watch. Le short, la vraie de vraie, rapiécée, usée, délavée. Je trouve ça cool. Ça change de l'indigo jean. C'est le godio qu'on rêve chaque fois de trouver et c'est super dur à trouver. Il est excellent quoi. Ah oui, et il y a le chapeau. C'est un petit peu la totale. Je trouve ça cool. La mode à petit prix, c'est essayer de donner du style vraiment à des vêtements qui, voilà, bien les styliser, bien les donner envie aux lectrices et qu'elles ne soient pas tout le temps en train de baver devant des vêtements qu'elles ne peuvent pas s'offrir. Bien sûr, c'est même d'utilité publique, hein, de faire du petit prix.